Bienvenue sur le podcast de couriruntrail.fr. Aujourd'hui, l'invité c'est Pierre Dufraisse. Pierre Dufraisse c'est un type éblouissant de santé et de force qui sur sa chaîne Vérisme TV est suivi, tenez-vous bien, par plus de 20 000 abonnés pour parler de physiologie. Et oui, comprendre comment le corps fonctionne lorsqu'il est en pleine santé et pour toi la loi de l'Orméez. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort permet de devenir le super héros qui sommeille en chacun de nous. C'est un homme humble et ordinaire qui invite chacun à faire comme lui, expérimenter pour faire des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, ce podcast révèle une annonce en avant-première. Est-ce que vous arriverez à la trouver Allez, on y va Jingle Bonjour Pierre. Merci à toi de me consacrer du temps. Alors, tu es un naturopathe et tu es bien connu sur Internet avec ta chaîne YouTube Vérisme TV et, et le tableau Jean-Louis, où tu fais de la vulgarisation autour de la santé. Attention, là, on ne parle pas juste de ne pas être malade, de ne pas tomber malade, mais aussi et surtout de comment être au maximum de ses capacités à travers l'activité physique, la respiration, l'exposition au froid, au chaud. Tu utilises d'ailleurs souvent le terme dormez pour parler de tout cela. Alors, oui, il est courant dans un podcast de présenter l'invité, mais j'ai peur alors de devoir parler tout seul pendant, pendant un bon moment pour te présenter. Alors, est-ce que tu pourrais donner la parole à ton corps pour qu'il te présente de son point de vue Ça fait quoi d'être le corps de Pierre Dufraisse Bien, bonjour Mickaël, merci beaucoup euh, c'est bizarre d'être le corps de pierre Dufresne. c'est euh, aussi euh, une, une étroite relation que, que j'ai avec pierre euh, puisque il me, il me considère comme un temple sacré il n'y a pas tout le monde qui rentre à l'intérieur de moi ni n'importe quoi Et, euh, il me remercie il est plein de gratitude tous les jours envers moi parce qu'on travaille ensemble on avance ensemble dans cette vie, on n'est pas du tout dissociés. En fait, on est une seule et même chose. Et, euh, et ben, il m'arrive plein de trucs, il m'arrive plein de pé péripéties toute la journée. Je me, un coup, je suis dans un congélo à zéro degré. Euh, un coup, je, je cours très très vite, je fais des, des exercices physiques très intenses. Et puis un autre coup, je vais rester immobile pendant une heure et on va partir en méditation. C'est l'expérimentation de ces extrêmes d'activité, de repos, qui fait que ben je suis en très bonne santé. Et Pierre aussi. Et, et tout ça, ben, ça fait qu'on s'éclate. Donc euh, voilà, tous les deux, avec Pierre, on est naturopathe. Notre mission qu'on s'est donnée, c'est de prendre soin de la, de la santé des autres et de changer le monde. De le faire évoluer vers quelque chose de avec des meilleures valeurs, enfin en tout cas des valeurs qui, qui nous semblent justes. Euh, et d'inspirer les gens au changement. Donc ça c'est ce qu'on tente de faire, de notre mieux, toujours, hein, sans, sans perfectionnisme, mais plutôt avec de l'optimalisme, euh, c'est ce qu'on fait, de, on essaye de faire de mieux sur, euh, bah sur Youtube, en vulgarisant la, la physiologie et puis la santé, euh, mais aussi en, en, en parlant de, de cette fameuse loi de Lormes que, que tu as citée, et en, avec nos programmes d'accompagnement sur hormes.com, où là c'est, euh, on prend plus par la main les gens pour qu'ils les aider à, à cheminer sur sur le chemin de la pleine santé. Euh, voilà, on a souvent travaillé en, en un, un par un avec en cabinet avec Pierre et, et les, les patients qui venaient nous voir. Et puis maintenant, ça prend une nouvelle aventure avec l'écriture de, de livres aussi. Donc euh, voilà. On, être le corps de pierre, c'est très sympa. On s'amuse beaucoup. D'accord. Et, euh, et mais du coup, ça, ça, ça vient d'où Comment tu as commencé Est-ce que tu étais toujours là-dedans À quel moment tu t'es dit, euh, mon, mon corps est un temple sacré et euh, je vais aider les autres à, à ce qui prennent aussi conscience de ce oui. C'est pas facile hein, de nos jours parce que euh, on a très vite tendance à. C'est un cercle vicieux. Hein, euh, les gens euh, ont. Très peu d'amour propre, donc euh, ce qui rentre dans leur bouche, euh, finalement, c'est pas grave parce qu'à l'intérieur d'eux, ça n'a pas trop de valeur. Et puis, plus tu leur apprends qu'à l'intérieur d'eux, c'est magnifique et magique, plus ils vont y mettre de la valeur, et donc euh, ce qui va être dans leur assiette va, va avoir de l'importance tout d'un coup. Alors, pour répondre à ta question, euh, moi, ça vient de, 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 de presque toujours, j'ai envie de dire, hein, euh, peut-être pas toujours, mais depuis l'enfance en tout cas, où euh, j'étais passionné par le, le, le sport. Euh, je suis le dernier de la famille et j'ai euh, un grand frère et j'avais un papa euh, qui m'ont beaucoup inspiré comme c'était des, bah des, des hommes et moi j'étais un petit garçon euh, c'est eux que j'avais comme modèle et que j'ai toujours d'ailleurs et, euh, et donc je voulais devenir euh, voilà un, un homme costaud euh, euh, viril fier euh, etc tout ce que j'étais pas trop en fait quand j'étais petit euh, en surpoids, euh, etc. Euh, donc, j'ai toujours été inspiré, j'ai toujours cette cette tension vers m'améliorer, améliorer mon physique, améliorer mon mental, être euh, plus intelligent, être, euh, voilà. J'avais toujours cette es une espèce d'espoir, tu vois, mais jamais vraiment de, de mise en pratique. Et puis, vers l'adolescence, je me suis dit, euh, ça suffit maintenant de, de rêver, il faut passer à la pratique. Donc, je me suis mis à, à vraiment me prendre en main à partir de, je vais dire, 15 ans, 15-16 ans à faire des exercices physiques, à prendre euh, soin de, de ce que je mettais dans mon assiette, de mon alimentation, que ce soit le plus sain possible. Et puis euh, bon, ça, ça a été un trajet, je vais envie de dire plus personnel, euh, mais le, le terme, l'implication le, le, de la santé dans, dans ma vie était là depuis longtemps. Et à 20, à l'âge de 24 20, enfin quand j'ai eu, quand j'avais encore 23 ans, 22 ans, euh, mon père a contracté une leucémie, donc un cancer du sang, de la moelle osseuse. Euh, et je l'ai perdu quand j'avais 25, ouais, je crois que c'est ça. Et donc pendant 3 ans, ça a été très dur parce que euh, je me suis rendu compte à quel point si une personne ne prend pas soin de sa santé, ça impacte tout son entourage. Ça impacte d'abord sa famille et ses proches, et il n'y a rien de plus euh, terrible que de voir un proche qui souffre et ne pas pouvoir l'aider. Alors c'est sûr que la personne qui est malade, elle souffre beaucoup, mais je pense que les personnes qui sont autour, qui l'aiment, souffrent encore plus que lui ou qu'elle. Et là, je me suis dit, il faut qu'on puisse travailler en prévention pour que les, les gens euh, ne vivent pas ce que ma, fa ma famille a vécu pendant trois ans de, voilà, avec les chimiothérapies, les chambres stériles, etc. Donc, et on va vulgariser la santé, on va faire en sorte de toucher le plus de gens possible, euh, on va tr travailler en prévention, c'est-à-dire on va expliquer comment ça fonctionne, quand ça fonctionne bien, on ne va pas s'attarder à quand, comment ça fait quand ça fonctionne pas, c'est-à-dire quand il y a un déséquilibre. Une pathologie, etc. Ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais expliquer comment ça fait, comment ça fonctionne, quand ça marche. Et ça, c'est beaucoup plus pertinent, selon moi, parce que tout d'un coup, on met le doigt, on met le focus sur les magnifiques processus régulateurs du corps qui sont magiques. et On se rend compte qu'on est vraiment exceptionnel. Alors que si tu mets le focus sur les maladies et les déséquilibres, etc., tu, au bout d'un moment, tu arrives à la conclusion euh, Ah, mais le corps, en fait, il fait n'importe quoi. La nature, elle n'avait rien prévu. Euh, la, na la nature, un coup ça marche, un coup ça marche pas, donc ça marche pas. Et c'est pour ça que j'ai lancé Vérisme TV, c'est pour ça que je suis devenu naturopathe, euh, c'est pour ça que voilà, je, je, je prends soin de moi, je, 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 je sais que c'est important de prendre soin de moi parce que je prends soin de mon entourage. Mmh. Et euh, justement, euh, avec bah, Vérisme TV, j'imagine que Vérisme, ça vient de, de vérité. Ouais, entre autres. Et. Et est -ce que, euh, bah est ce que justement tu' as pas tu n'as tu tu pas l'impression d'aller euh, contre pas seulement des idées reçues mais même des idées euh, bah de, de, de dominants. Mm. au niveau de, de la médecine en france et euh, je sens de devoir te combattre de devoir combattre ça plus que euh, de pouvoir faire de la vulgarisation euh, alors j'essaie justement de ne pas rentrer dans une forme de combat et de lutte parce que c'est vraiment le postulat actuel. Euh, tu vois, on le voit dans, dans tous les domaines. Hein. Euh, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, euh, on réagit toujours face à quelque chose. On se bat contre. Et en fait, on nourrit le même euh, euh, le même défaut euh, qu'on critique. Et, euh, et ça, ça tue la santé des gens, en fait. Si vous êtes toujours, toujours dans la négativité, euh, ça vous ronge de l'intérieur. Et c'est pas on parle souvent de voir le verre à moitié plein, à moitié vide. La bonne question à se poser, c'est quel verre je remplis Parce que si mon verre, c'est sans arrêt euh, de la violence, de la colère, de la haine, de la frustration, en disant c'est pas juste euh, les hommes politiques ceci, c'est pas juste les gilets jaunes euh, blabla, jamais, jamais vous allez être en bonne santé et jamais vous allez créer un système vertueux. Il faut se focaliser sur ce qui marche il faut se focaliser sur les solutions. Euh, donc moi je suis pas du tout là-dedans. Euh, tu vois, si tu prends Verismo TV, il n'y a pas d'émotionnel derrière. C'est très factuel. C'est euh, voilà, les poumons ça marche comme ça, le diaphragme ça marche comme ça. Et euh, je n'aimais pas un, un jugement de valeur. Et ça, ça permet cette neutralité-là. Elle permet aux gens de juste avoir le savoir. Et, euh, et c'est ça qui est important. Est, euh, donc c'est comme ça que je joue. Après, pour répondre à ta question, oui, c'est sûr que euh, c'est complètement à l'inverse. Euh, de, de, de ce qui se fait actuellement en termes de philosophie, euh, de la santé ou d'autres choses. Mais euh, j'ai l'impression que les gens s'y retrouvent quand ils regardent ma chaîne. Ils, ils tombent pas dans, euh, dans le fait de... Enfin, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ben bah alors, qu'est-ce qu qu'il faut faire Parce que j'explique comment ça marche, je dis, mais oui, mais alors, qu'est-ce que je dois faire, moi, au quotidien C'est sûr, c'est pas facile pour, de comprendre euh, qu'il faut passer par la case expérimentation. Faut expérimenter de son côté, une fois qu'on a compris... Pour trouver ce qui marche pour soi-même, et ce n'est pas une tierce personne qui doit vous apporter la réponse, c'est vous-même qui devez être votre propre pilote en fait. Voilà. Mais du coup, concrètement, si on doit être notre propre pilote, malgré tout, ce serait quoi les points les plus les plus importants Parce qu'il faut au moins avoir une carte au début pour savoir vers où vers où aller. Par exemple, pour prendre pour revenir sur la course à pied. Est-ce une bonne hygiène de vie et indispensable pour courir de longues distances ben, Oui, si tu, dois avoir une, si tu veux avoir une carte, je pense que la carte, euh, il faut, on, on l'a tous plus ou moins en tête, même s'il si y en a qui partent de très très loin parce qu'ils ne s'intéressent pas du tout euh, voilà, à la santé, peut-être parce, peut parce qu'ils sont jeunes et que tout marche très bien pour l'instant. Généralement, les gens prennent conscience que c'est important, euh, les facteurs de santé, quand ils touchent un mur, quand ils tapent dans un mur ou qu'ils touchent le fond. C'est-à-dire, on leur diagnostique un truc un peu lourd, hein, une maladie quelconque, un cancer, etc., et tout d'un coup, oh là là, je veux faire marche arrière. Pour faire marche arrière, c'est très dur, hein, au niveau physiologique, dans la, dans la nature, euh, c'est pas facile. Et tout d'un coup, on, on donnerait tout l'argent qu'on a pour retrouver la santé de sa colonne vertébrale ou, euh, ou de son foie, et malheureusement, euh, bah, ça demande des efforts pour faire une marche arrière. Alors moi, je prends le pari inverse, je dis, on fait de la prévention, et on a une bonne hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, bah, les facteurs de santé, généralement, on les connaît plus ou moins, mais on n'a pas la discipline de les respecter. C'est-à-dire le sommeil, pour moi, ça commence par là. C'est-à-dire si tu veux être en bonne santé, il faut que tu dormes. Euh, tu peux jeûner longtemps, tu peux, euh, tu peux te passer de nourriture, te passer d'eau pendant un certain temps aussi. Mais passer te, de sommeil, ça, personne ne peut le faire. Et euh, donc, voilà, c'est le sommeil, ri, euh, vivre à des rythmes physiologiques. Ne pas être bombardé d'ondes euh, né néfastes toute la journée. Moi, je, je me bats pour que les gens arrêtent de mettre leur téléphone portable dans leur poche. Ce n'est pas possible, ça. Ça devrait être mmh. interdit. On devrait avoir des amendes parce que ça nous foudroie le système nerveux endocrinien. Les gonades et les testicules qui sont juste à côté, euh, on va vers une infertilité massive. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là. La nourriture euh, industrielle bombardée de pesticides, de fongicides, de produits chimiques, ça, ça aussi, tout le monde le sait, mais personne le fait, il faut, il faut s'en passer, mais c'est euh, obligatoire, hein. c'est même pas euh, une fois sur deux, quoi. Euh, soit vous vous empoisonnez à pas cher, soit vous, vous mangez cher. Bon, c'est sûr que c'est pas, manger bio, ça coûte cher, on n'est pas dans un système qui, qui, est, qui est tourné vers la santé, donc c'est normal que ce qui est bon coûte cher, parce que basé, notre système est basé sur la raréfaction. Mais une fois qu'on aura changé le système, une fois qu'on aura remis les bonnes valeurs au centre du jeu, je pense qu'on va arriver à un moment où euh, la, ce qui est bon pour nous ne coûtera pas forcément cher. Mais on est en période de transition, donc je sais que ce n'est pas facile, mais il faut mettre la santé comme objectif numéro un. Donc euh, voilà, le sommeil, l'alimentation, les relations sociales, euh, l'humilité, euh, le don, être dans le don, être tourné vers l'autre. Euh, si votre cheminement, enfin, si votre cheminement dans votre vie euh, n'est pas tourné vers autrui, je pense qu'il est voué à l'échec. Je pense que c'est est pas bon. On, est, on, on doit vivre ensemble. Euh, ça, c'est, pour moi, c'est une certitude. Euh, après, bon, bah c'est l'exercice physique, c'est bouger, c'est euh, lutter contre cette sédentarité aussi qui, euh, qui est là au quotidien. On, on est assis et donc on a plein de déséquilibres qui se créent. Bon, voilà, c'est les conseils de grand-mère, hein, c'est bien manger, bien dormir, euh, être sympa avec son voisin et, euh, et bouger régulièrement. Donc euh, tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Et moi, mon grand truc, c'est vraiment d'apprendre aux gens à mettre en place ces disciplines. Soit sur hormis.com avec mes programmes vidéo, soit en coaching un par un. Euh, je ne parle que d'astuces en fait qui vont permettre d'avoir cette discipline au quotidien pour. Euh, pour aller vers la pleine santé. Alors, pour l'histoire de la course à pied, euh, bah, ouais, là tu vas devoir demander un effort prolongé à ton corps. Ce qui va se passer, c'est que pendant longtemps, tu vas envoyer une quantité assez colossale de, de sang. Hein, la vascularisation au niveau des muscles va être importante et va quitter le noyau. Ce qu'on appelle le noyau, c'est tout ce qui a autour des, des organes principaux, c'est-à-dire le cœur, le foie, les intestins, l'estomac, etc., etc. Donc ça, ça, il va y avoir une quantité importante qui va quitter ce noyau et qui va aller vers les muscles. Et si tu sais pas, euh, si tu n'as pas une santé optimale de tes viscères notamment, euh, quand le sang va faire des va-et-vient euh, au niveau des, euh, des viscères et des muscles, tu vas, risques d'avoir des problèmes euh, digestifs. Les, les, les gens qui font de l'ultra-trail de ou des longues distances le savent bien, les crampes d'estomac, les diarrhées ou le genre de, ce genre de choses, c'est ce qui les, est souvent un facteur limitant en fait. Et là, tu as une perte d'énergie qui est énorme. Toutes les personnes qui ont eu une gastro, qui ont eu une diarrhée ou quoi, ils savent bien que quand il faut que ça sorte, il n'y a plus aucune énergie. Tu as juste envie de mourir, tu as juste envie d'abandonner, il y a zéro énergie. Donc on ne veut surtout pas que ça arrive pendant la course. Donc, rien qu'avoir une bonne santé du système digestif, euh, ne pas manger des, euh, des barres chocolatées ou des tubes fluorescents avant la course, comme certains font pour faire une charge glycémique ou quoi, ça c'est une très mauvaise idée. Euh, L'alimentation pendant la course ou le, le, le ravitaillement, si, euh, si vous décidez d'en avoir, hein, c'est pas obligé, euh, doit être le plus sain possible. Bref, euh, au-delà de l'entraînement, il y a une bonne santé globale qui est... Euh, obligatoire si on veut euh, que la course se passe euh, bien quoi. Ouais. Ok, ben, justement et euh, ça va être une, une information en avant-première euh, pour ceux qui nous écoutent mais euh, justement en, en juin ou dans les alentours de juin on m'a proposé d'aller courir 100 km euh, à Agen et notamment l'aventurier euh, Florian Gaumet c'est en train de s'organiser mais voilà, c'est à juin, c'est d'ici euh, quelques mois 100 km, euh, le fer à jeun, ça ne m'inquiète pas parce que le jeûne intermittent et des petits jeunes courts, j'ai, euh, j'ai déjà une certaine expérience. Par contre, je n'ai pas le niveau actuellement pour recourir 100 km. Et du coup, est-il possible, à ton avis, d'acheter la progression euh, habituelle pour y arriver? Quel serait le, qu'est-ce qu'il faudrait mettre de manière optimale en place pour espé... espérer être au top le jour J? et faire 50, 60, 70 kilomètres, ou, ou, ou les 100 Alors déjà, dis-toi bien que tu vas faire les 100. <laughs> c'est important, ça. Que tu partes pas dans le... Ouais, tu partes pars pas dans le... avec une échappatoire, te dire 70, c'est déjà bien, etc., parce que c'est le meilleur moyen pour en faire que 50, en fait. Donc, euh, dis-toi bien que tu vas faire les 100, ça c'est sûr. Euh, tu es capable d'en de, 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 faire 200, si tu veux. Hein. Alors, tu, tu, les, les, les réserves on est très très loin de pouvoir taper dans, dans ses limites, euh, de s'approcher vraiment de ses limites physiologiques. Donc euh, le mental joue, joue énormément. Euh, déjà, je, je tiens à te féliciter parce que se lancer dans, dans un projet comme ça, ce n'est pas anodin. C'est un, un super défi que tu te lances, donc euh, bravo, c'est top. Euh, après, euh, comment hacker, comment aller plus vite que la musique En fait, comment aller plus vite que les gens normaux, entre guillemets, on va dire euh, ce qui se fait habituellement dans le monde mmh. de la course à pied, euh, ben il faut, il faut que tu fasses tout ce que ne font pas les autres. C'est-à-dire se coucher à l'heure du soleil, faire des nuits, euh, les heures avant minuit comptent double. Tu fais des nuits de 9h ou de 10h, tu te couches à 21h, tu te couches à 20h et tu dors jusqu'à 6h du matin après. Tu vas voir que rien que ça, ça te donner une énergie de dingue. Rien que ça, c'est ça peut tout changer. Donc déjà... Euh, te mettre en place une, une vraie discipline, manger sainement, manger frugalement, euh, continuer à t'entraîner. Si tu fais un 16-8, si tu fais un jeûne intermittent euh, où tu ne manges pas le matin, euh, bah, continue à faire des entraînements re relativement longs. Hein, tu peux des, des, des plans d'entraînement pour faire des, des courses longue distance. Il y en a tout un partout sur internet, hein, mais euh, placer tes zones d'entraînement justement dans cette fenêtre de jeûne pour habituer le corps à aller taper dans les réserves euh, au niveau des, des sources d'énergie qui qui compte pas uniquement sur le glycogène hépatique et musculaire mais qu'il aille vraiment apprendre à faire des corps cétoniques à utiliser les graisses du corps comme source d'énergie ça c'est euh, ça c'est important et puis après t'as tous les euh, ce qu'on connaît en, en biohacking et loi de qui euh, tous les autres euh, pratiques qui vont qui vont venir t'aider euh, moi j'irai beaucoup sur le chaud et le froid comme tu sais c'est ma grande passion tout ça euh, utiliser le chaud parce que tu vas augmenter en fait la vascularisation au niveau musculaire quand tu, quand tu fais un sauna ou quand tu fais des bains hyperthermiques afin d'augmenter en fait le volume sanguin qui va se déplacer au niveau des muscles. Donc si tu augmentes la chaleur, tu augmentes la vitesse des réactions chimiques en fait parce que tout au niveau des atomes, les entrechoquements des électrons vont beaucoup plus vite et c'est comme ça qu'on augmente les réactions chimiques. Euh, et puis avec le froid, tu vas pouvoir jouer sur là aussi la la santé des, des microcapillaires, c'est-à-dire tous les, les petits tuyaux qui parcourent les extrémités de ton corps, pour qu'il y ait une meilleure euh, vasoconstriction, meilleure vasodilatation, qu'il y ait des meilleurs, encore une fois, apports d'oxygène et de nutriments. Euh, tu vas pouvoir jouer euh, sur euh, à peu près tout ça, tu vas pouvoir... Moi, moi aussi, j'irai du côté de, de, la, de la respiration, avec les méthodes d'Uteiko, euh, les méthodes Vim-Off, euh, qui vont t'obliger, encore une fois, à faire avec l'inconfort, te placer dans des zones d'inconfort et t'habituer à la douleur et à cette narration interne qui se passe quand ça va mal, quand tu es dans le rouge. Parce que pendant, sur 100 km, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de moments, à mon avis, où tu vas te dire que tu as envie d'arrêter, euh, où tu vas, tu, et voilà, tu vas trouver un, un milliard d'excuses pour arrêter. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est les choses qui, que les gens se racontent en eux, la narration interne, quand ça va mal. Quand ça va bien, je m'en fous. Quand tout le monde est assis sur son canapé, tu peux me raconter ta vie, tu peux me mentir, tu peux me raconter n'importe quoi, tu auras un beau discours, etc. Par contre, quand tu es dans un bain à 0 degré, quand tu es en train de courir à jeun euh, depuis 80 km, quand tu es euh, dans le rouge, rouge dans un effort, là, tout d'un coup, tous les masques tombent. Et, euh, et tu vois tes vrais défauts, tu vois ta, ta, ta propension à très vite abandonner un effort, etc., à euh, te détacher de, de, de l'objectif que tu t'étais fixé. Euh, c'est pour ça que je dis que la loi de l'Ormes, c'est une école, parce que là tu fais vraiment un cheminement intérieur qui est très très intéressant et cette conversation avec soi-même qu'on n'a plus du tout de nos jours. Parce que les gens, tu les vois, ils s'assoient dans le bus, ils s'assoient dans le métro, et hop, ils prennent leur téléphone portable. Il n'y a même pas cinq secondes qui se passent avec eux-mêmes. Ils font une diversion de l'esprit, ils regardent quelque chose. Euh, donc, c'est se réhabituer à tout ça, réhabituer à, à la douleur. Tu vois, si j'avais un conseil à te donner, c'est ça. Parce que 100 km, euh, au bout de 50, tes jambes, euh, elles vont avoir mal. Donc, comment tu fais pour rester et cohabiter avec la douleur pendant longtemps, pendant plusieurs heures encore ben ça, ça, ça peut se cultiver au quotidien. Moi, c'est ce que je fais, par les bains froids, par ceci, cela, et se rappeler à quel point. Euh, T'en as traversé des épreuves dans ta vie. Il y a eu des moments un milliard de fois plus durs. Donc t'inquiète pas, t'as les ressources, tout va bien se passer. Et c'est comme ça que tu, tu peux arriver à, à, à ouais à, te, à, à aller dans l'inconfort, à, 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 à prendre le confort dans l'inconfort. Voilà. Mmh. Et euh, tu as parlé de, de la loi de, de l'hormèse, du biohacking. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression comme ça, est-ce qu'en en fait, on serait tous, d'une certaine manière, des, des, des héros, des super-héros en, en puissance, <laughs> pas encore en acte, mais encore en puissance. Est-ce qu'on est tous capables de faire des choses que le, que le commun des mortels jurerait, euh, du coup, surhumains euh, Ça, c'est une évidence, mais euh, pour moi, c'est euh, ce qui saute le plus aux yeux dans mon travail de thérapeute. Tu vois, quand je reçois des, des mamans de 60 ans, 65 ans qui me racontent leur vie, parfois tu entends des histoires de vie, tu te demandes comment la personne en face de toi est encore debout. Euh, elle a vécu un viol, elle a vécu un inceste, elle a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Euh, les gens, ils passent des épreuves dans leur vie. Ils, ont, ils traversent cinq fois l'enfer et tout d'un coup, il faut faire une douche froide. Et ils se disent, oh non, je ne suis pas capable. Oh là là, il faut du courage pour faire ça. <laughs> ils disent, mais putain, mais c'est pas possible. Tu, tu as fait des trucs dans ta vie, mais tu, tu es plus qu'un super-héros pour moi. Tu es. Les gens, ils ne se rendent pas compte que ce sont des super-héros. On n'a plus cet amour propre. On a, on a très vite oublié qu'on est tous, tous exceptionnels. Déjà parce qu'on est unique. Il n'y en a pas deux. Euh, de il n'y a pas de Michael sur cette planète. Il n'y a pas de Pierre Dufresne non plus. On est tous uniques, donc on est tous exceptionnels, déjà, à la base. Si on s'intéresse un peu à la physiologie, on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, il y a des trucs qui se passent qui sont magiques, qui sont au-delà de notre compréhension. Euh, et si on, se, on, on prend deux secondes pour penser aux épreuves qu'on a passées dans sa vie, eh ben on se rendra bien compte qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. Donc euh, oui, on est tous des super-héros, ça c'est clair, il faut juste qu'on se le rappelle, qu'on se fasse des petits piqueurs de rappel au quotidien. Et c'est pour ça que commencer la journée par une petite douche froide, c'est un, une piqueur de rappel, c'est commencer la journée par une victoire par se dire, ah ouais, punaise, je suis quand même capable de faire des trucs dingues, quoi. Personne qui, qui le fait, ça. En hiver, je prends une douche froide le matin et, et après, euh, j'ai du peps pour toute la journée, etc. Il peut rien m'arriver. Bref, c'est ça, pour moi, euh, qui est important. C'est l'amour propre qu'on se réapproprie. Donc, euh, voilà. On est mmh. tous Superman, Batman, tout ce que vous voulez. <laughs> ok. Alors, il euh, y, y a une question qu'on me pose... De temps en temps, par rapport justement au jeûne intermittent, c'est des gens comme ça qui, euh, qui font 15 à 20 heures de, de sport par semaine, et qui sont en jeûne intermittent, mais qui se demandent comment faire pour manger assez dans cette fenêtre euh, assez réduite. Donc euh, voilà, le jeûne intermittent, c'est on fonctionne en 16, 8 ou 24, donc pendant 16 heures ou 20 heures, on ne mange pas, et pendant euh, 4 ou 8 heures, on, on s'accorde euh, l'équivalent de ce qu'on aurait mangé sur la journée. Euh, déjà, il faut, euh, il faut se demander à cette personne pourquoi elle se pose cette question. Est-ce que euh, en s'entraînant comme ça et en mangeant comme ça, elle voit ses performances stagner ou régresser Est-ce qu'elle n'a pas d'énergie euh, Est-ce qu'elle a une fonte musculaire Ou est-ce que c'est juste en fait des doutes parce qu'elle elle lit beaucoup de choses sur Internet, euh, elle entend beaucoup d'opinions différentes et donc elle se demande juste si elle mange assez euh, Voilà. Pourquoi il y a cette question qui surgit là Si on a un déséquilibre, si on a une baisse d'énergie, si la personne ne se sent pas bien, fatiguée, etc., c'est clair qu'il faut revoir euh, ce qu'on a mis en place. Euh, on change une équipe euh, qui perd, hein. euh, on ne change pas une équipe qui gagne, mais par contre une équipe qui perd, on la change. Donc euh, si dans l'équipe, il y a le jeûne intermittent, il y, euh, y a une alimentation X ou Y, etc., ben, on va reconsidérer les facteurs de santé. Ce n'est pas dit que ce déséquilibre vienne du fait qu'on ne mange pas assez, etc. C'est peut-être parce que tu dors pas assez. Peut-être parce que tu entretiens une relation très tendue avec euh, ta conjointe ou ton conjoint. Euh, c'est peut-être parce que, je sais pas, moi, ton boulot il est pas épanouissant. On a très vite fait de mettre, euh, d'accuser euh, le régime alimentaire ou d'accuser euh, autre chose. Ah, c'est une très bonne excuse pour pas regarder la poussière sous le tapis en fait. Donc, euh, c'est se reposer les bonnes questions et être franc avec soi-même, ne pas se mentir. C'est clair qu'il faut expérimenter, il faut tester. Là, je n'ai pas de réponse à donner générale parce qu'il n'y en a pas. C'est toujours individuel les, les, les adaptations qu'il faut faire. Et ça, ça passe par l'expérimentation. Donc pour manger après suffisamment, pour ne pas être en déficit d'apport de carburant, c'est sûr que si on ne fait plus que deux repas ou plus qu'un repas, on va aller vers des aliments qui sont riches. Euh, tu peux manger euh, de l'avocat, tu peux manger de la graisse de coco, tu peux manger des produits animaux si tu n'es euh, si pas végétarien ou vegan et que euh, tu es sûr et certain de la provenance et de la qualité du produit animal, que c'est local, que, euh, que les animaux sont bien élevés euh, et que c'est respectueux, etc., de la cause animale et que tu en manges pas non plus des tonnes et à chaque repas. Euh, tu vas manger des produits sains, et si les produits sont sains, tu verras qu'ils sont chargés en, en nutriments, et donc en quantité, tu n'en as pas autant besoin que si tu manges de la nourriture industrielle. Euh, et puis voilà, et puis tu vas mastiquer surtout, parce que si c'est un apport de, de nutriments qui t'inquiète, dis-toi bien que quelqu'un d'actuel, au 21e siècle, il absorbe uniquement 20 à 30 de ses aliments. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un tiers de ton assiette qui passe dans ton sang. Tout le reste sort de... dans les toilettes. Donc euh, autant maximiser ça. Euh, faire, si tu ne sais pas mastiquer, euh, si tu avales tout rond tes aliments, ça ressort dans les toilettes telles qu'elles. Euh, donc s'attarder sur la mastication pour être sûr qu'après derrière, on absorbe, je sais pas moi, 35 ou 40 de ces aliments au lieu de 20% c'est déjà beaucoup plus pertinent quoi c'est déjà beaucoup plus intéressant donc les gens ils s'intéressent toujours à qu'est-ce qu'il faut que je mange mais ils s'intéressent pas à « comment euh, est-ce que, man... <laughs> est que tu manges ce que tu mâches bien ta nourriture hein, et est-ce que tu manges déjà quand tu as faim non pas parce que l'aiguille la grosse aiguille des heures est arrivée sur midi mais est-ce que tu as vraiment faim c'est tout ça c'est ça c'est vraiment les vraies questions à se poser hein. c'est pas il faut jamais être dogmatique à se dire je fais le jeûne intermittent ou je fais le régime cétogène, ça tu rentres dans une forme de religion et, euh, et tu vas plus du tout écouter tes ressentis à partir de ce moment-là. C'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Du coup, tu mets pas en avant euh, un type, euh, type d'alimentation ouais, particulière. Cela, tu, tu as dit, euh, tu as parlé de manger beaucoup plus de, de gras avec l'avocat ou la graisse de coco, euh, ou alors aussi les, les, les protéines. Et euh, mais tu, tu as pas parlé de lucide. Du coup, est-ce que tu, euh, tu as plutôt tendance à mettre en avant une alimentation, euh, l'alimentation dite vivante, donc des fruits et des légumes euh, peu cuits, ou est-ce que encore une fois, il s'agit plus de passer par l'expérience, voir ce qui nous donne de l'énergie, voir au contraire ce qui nous, ce qui nous Bah ouais, parce que euh, tu sais, les aliments ils sont neutres. Mis à part évidemment tout ce qui est industriel. Ça c'est, on a bien compris que euh, tout ce qui est industriel, j'y touche pas. Bon. Mais si tu prends les aliments qui sont bruts, naturels, etc., peu transformés, pas transformés, locaux et bio et tout ce que tu veux, euh, ils sont neutres. Ils n'ont rien demandé à personne. Hein. Il n'y pers en a pas un qui est bon, un qui est mauvais. Ils sont tous neutres. Ce qui va faire qu'ils sont bons ou mauvais, c'est l'interaction avec ta physiologie, avec ton corps. Parce que si tu manges un produit qui est riche en protéines, même si c'est le plus sain au monde, mais que tu as un estomac qui est au rabais, il est très fatigué, euh, etc., et t'as pas une capacité à produire de l'acide chlorhydrique suffisante, tu vas pas pouvoir digérer les protéines. Donc pour ton voisin, ça marche très bien, manger des œufs, manger de la spiruline, manger, euh, je sais pas moi, d'autres aliments riches en, en protéines, mais pour toi, ça va pas du tout aller. Donc euh, pareil, si, si, on, si ta visicule biliaire et ton foie sont pas au top, euh, faire un régime cétogène, c'est la dernière idée qu'il faut avoir, parce que c'est très riche en matière grasse, avec la, la visicule biliaire et là. Enfin, la bile est là pour émulsifier les graisses et te permettre de digérer le gras. Donc, il euh, n'y a pas de bon conseil si, si, si ce n'est un conseil qui soit individualisé euh, et qui soit en parfaite euh, corrélation avec la physiologie de la personne en question. Donc, c'est vrai qu'on a très vite fait de mettre en, en avant le régime cétogène, régime euh, avec un, le, les glucides bas, etc. De... Ça vient du fait, en fait, qu'une euh, des glandes qui doit s'adapter à notre rythme complètement fou, moderne, c'est le pancréas. Euh, les glandes urinales prennent cher, ça c'est clair, la thyroïde aussi, elle prend très cher, mais le pancréas aussi, parce que euh, c'est lui qui règle beaucoup la glycémie sanguine, euh, à travers l'insuline, le, le glucagon, les hormones qu'il fait. Donc, il est tout le temps, tout le temps sursollicité. C'est une glande aussi de l'adaptation. Et comme on est tout le temps en train de stresser, de, de s'inquiéter d'être dans l'anxiété, etc. Qu'on a des rythmes et des hygiènes de vie qui sont vraiment pas bonnes, il est tout le temps en train de réguler en fait l'énergie circulante sous forme de glucides dans le corps, euh, dans, dans, dans le sang, et l'énergie qui, qui est stockée sous forme de glycogène, etc. Et il fait le va-et-vient et il s'épuise et on a de plus en plus de diabétiques, etc., etc. Et comme en plus dans notre alimentation il y a des sucres cachés, euh, les gens ils mangent des produits euh, industriels. Donc c'est beaucoup beaucoup de sucre, donc beaucoup beaucoup d'insuline qui est pompée par le pancréas toute la journée. Donc c'est pas étonnant que le régime cétogène soit aussi autant un succès de nos jours en fait, parce que comme ça au régime cétogène, on enlève les glucides, on soulage le pancréas et tout d'un coup les gens ils perdent du poids, etc. Ça va mieux et ça remet un métabolisme à peu près dans les clous. Mais euh, c'est juste en fait une réaction au déséquilibre euh, moderne. Euh, voilà, donc je suis, je mets pas un régime particulier en avant, sauf sauf euh, de, de s'habituer au jeûne intermittent finalement, mais c'est même pas le jeûne intermittent que je mets en avant, c'est l'écoute du ressenti, c'est-à-dire manger quand on a faim, euh, c'est juste ça. Et si tu manges quand tu faim, tu vas voir que en fait tu as plus besoin de longues périodes de jeûne, de périodes où tu laisses ton organisme tranquille avant qu'il y ait la vraie faim qui ressorte. Et si tu fais ça, tu vas te rendre compte que généralement le matin tu travailles. Donc tu t'as pas envie de t'engouffrer euh, un gros petit déjeuner, tu es, es juste en train de te réveiller, donc t'as pas envie de manger, euh, donc tu laisses passer du temps, et puis la faim, tu la sens venir que vers 11h, midi, voire plus tard, et bien finalement tu manges que deux fois par jour, parfois tu manges qu'une fois, et puis parfois tu manges trois fois, hein. c'est pas grave. Il faut être adaptable. C'est ça, ça la santé, c'est être adaptable, et pouvoir changer les choses. Voilà. Mmh. Et euh, quels sont les les choix que euh, qui ont fait de toi ce que tu es <laughs> Est-ce qu'on a trois heures devant nous <laughs> Alors les les choix Disons que euh, la chance que j'ai eu c'est ça a été de grandir euh, avec tous les défauts possibles euh, de notre monde moderne. C'est une chance maintenant. Alors sur le moment, c'était vraiment un calvaire. Hein. Mais euh, tu vois le truc euh, d'être le dernier de la famille, euh, c'est ça voulait dire que j'étais le petit chouchou, le petit dernier de la famille. Donc euh, si je veux arrêter, si je veux arrêter, maman, est-ce que je peux arrêter Oui, oui, abandonne, mon chéri, abandonne. Euh, euh, si si les, 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 les copains et les copines dans la cour de récré se, se moquaient de moi en disant que j'étais gros, après j'allais voir mes parents et ma mère me disait oh non t'es pas gros mon chéri etc. Euh, tu vois le surpoids, le rejet, pas être mmh. incorporé dans le groupe, euh, ne pas être le plus intelligent euh, du groupe, tu vois être juste moyen et avoir des, un, un grand frère et une grande soeur qui eux sont étaient très intelligents, enfin ils sont toujours très intelligents mais euh, réussissaient bien à l'école je veux dire tu vois. Euh, et, et toujours dans cette frustration-là, ça a fait que j'ai vraiment. Il y a un moment où je me suis dit est-ce que tu est-ce que quand tu regardes dans le miroir, tu, tu, tu vois ça Est-ce que tu as envie de ressembler à ça Ou est-ce que tu te vois différent Et en fait, dans, quand, quand, quand je pensais à moi-même, quand j'étais petit, je me disais euh, je veux être fort, quoi, je veux être bien, je veux être. Euh, j'ai plein d'images de héros, de super-héros, de bandes dessinées, de mangas, de, de jeux vidéo de, qui m'inspiraient, qui tu vois. Et, euh, et par contre, quand je regardais dans le miroir et quand je me disais « qu'est-ce que pensent les gens de moi quand ils me voient ?», ils voyaient tout le contraire. Et là, les choix qui se sont imposés à moi, c'est « fais, euh, mets-toi en place une discipline et mets-toi des règles de vie pour changer tout ça ». Donc euh, dès que j'ai eu l'occasion de partir de la famille, alors qu'on euh, vit, de, on est dans un cocon familial très proche, on s'aime tous beaucoup euh, entre nous, etc. Et ben je suis parti vivre au Japon. Je suis pas parti euh, une semaine en Espagne. Je suis parti vivre six ans au Japon. Et je me suis dit ça va te changer complètement. Euh, J'étais frileux. Je me suis formé au yoga du froid, le yoga tumo, chez Maurice Dobar, où tu nages sous la glace. Tu, tu restes en statique euh, à poil dans la neige pendant une heure, par moins 20. Euh, et maintenant, le froid, ça me fait rire, même ça fait plaisir. Je suis content quand il fait froid parce que je sais que je vais me renforcer. Euh, J'étais arachnophobe, euh, donc j'ai peur des araignées. Quand je suis allé au Cambodge, je me suis forcé à manger une migale parce que c'est euh, la tradition là-bas de manger des migales. Euh, et sur la photo, surtout, je souriais, tu vois, parce que je voulais que ça se garder une image de moi en train de le faire et que ça paraisse facile. Et En fait, j'étais en train de trembler comme un fou, je transpirais, j'avais sueur froide, mais, euh, mais je l'ai fait quand même. Maintenant, je vois une petite araignée de rien du tout, je m'en fiche complètement. Euh, dès que j'ai eu dans ma vie un truc qui me qui me gonflait, tu vois, un truc, euh, oh, punaise, ça, je suis frileux. Euh, alors, tous les hivers, j'allais à Bali ou j'allais en Thaïlande pour, parce que je fuyais l'hiver en France moment, je dis non mais ça te gonfle ça fais-en une force n'essaye même pas de de l'évincer de ta vie fais-en une force et euh, pareil pour les araignées pareil pour euh, la perte de poids pareil pour euh, la prise de masse musculaire euh, je dis c'est euh, c'est un, un truc que t'as envie ou que t'as plus envie d'avoir en ta vie et eh ben tacle-le maintenant tout de suite pas demain hein. maintenant tu, tu mets en place des trucs et c'est ça en fait les choix qui qui ont fait que en fait c'est le choix de la discipline qui a fait qui je, qui je suis maintenant. Parce que je suis quelqu'un qui, qui a grandi sans discipline personnelle, hein. sans aucune discipline personnelle. Euh, J'avais le droit de faire ce que je voulais, euh, quand je voulais, euh, etc. Et on me pardonnait parce que j'étais le petit dernier. Et maintenant, pour être sûr que ça ne ressurgisse, plus, ressurgisse pas, je me mets des garde-fous. Euh, je me mets des règles de conduite, j'écris beaucoup, euh, je médite, je me rappelle de ce que j'ai fait. Euh, je, je me reflète sur euh, voilà, mes, mes, ce que j'ai euh, accompli dans l'année la semaine dernière, hier et, et ça, ça me permet d'avoir une vraie discipline au quotidien, voilà, c'est ça les choix en fait donc quand tu dis oui, que tu écris beaucoup, euh, c'est des, des bilans et puis des, de la gratitude, ce ouais. genre de choses pour, pour le rendre ouais, conscient. entre autres, beaucoup de gratitude euh, et, euh, et aussi mes envies, tu vois, et mes doutes, mes peurs ou mes euh, les, les émotions, mes sensations, euh, dans les bains froids ou dans le sport, tu vois, euh, mes pensées, euh, quand ça, dans la fameuse narration interne que je disais tout à l'heure dans le rouge, tu vois, qu'est-ce que tu te dis quand. quand euh, C'était quoi les excuses que tu t'es sorti euh, quand, quand tu avais envie de sortir du bain froid Généralement, moi, les excuses, c'est Ah, mais je l'ai déjà fait hier, c'est bon, euh, une fois hier, euh, aujourd'hui, je peux ne pas le faire, je peux me vite sortir, ou. Euh, où j'ai fait du sport juste avant, il euh, ne faut peut-être pas trop que je force, euh, etc. Et donc, tu vois, tu te choques des excuses tout le temps. Ben, ces excuses-là, je vais les noter, pour m'en rappeler, pour me dire, euh, t'es bête, parce qu'après coup, on a l'air bête. Mais sur le moment, on y croit, nos excuses. Et du coup, tu as un rituel, tu as une routine d'écriture comme ça tous les jours Oui. Oui, oui, euh, tous les jours, ça commence par de l'écriture, de la lecture aussi. Mais j'écris toujours euh, ce dont je suis... Euh, j'ai de la gratitude pour, et, euh, et de la fierté aussi, envers moi-même, et envers mes proches. Ça peut être un, un truc qui s'est passé la veille, ou un truc qui va se passer dans la journée, ou, euh, ou ça peut être un truc plus profond, hein, une sensation que j'ai sur le moment, il voilà, n'y a, a pas de règle, mais je commence toujours ma journée par ça, puis après je lis, euh, ça va être les premières lectures de la journée, ça va être une, entre une demi-heure et une heure, ça va être de la physiologie, parce que j'adore, moi ma bible c'est les, les bouquins de physiologie, quoi, hein, je... Les dévorer, j'adore ça. Euh, donc là, tu vois, je suis sur tout ce qui est en ce moment, on est en fév... ouais, mi-février, euh, j'ai commencé une série de vidéos sur Verisme TV qui n'est pas encore en ligne, qui est sur les bases de la biochimie, donc euh, tout ce qui est les atomes, les molécules, etc. Vraiment retourner aux bases, et j'adore, j'adore, j'adore. Donc euh, voilà, il va y avoir cette lecture-là, et puis après, il y a l'écriture de... de mes différents livres qui vont sortir cette année. Euh, donc, après, c'est une phase d'écriture que j'aime beaucoup parce que c'est une forme de méditation aussi pour moi. Entre temps, euh, j'aurai fait mon bain froid, donc euh, le bain froid du matin dans mon congélo. Euh, voilà. Et puis après, le bain froid, je vais sûrement prendre une boisson chaude. Ça va être euh, soit juste de l'eau chaude, euh, soit une tisane. Ouais. Et tu te lèves le matin toujours à la même heure ou est-ce que ça varie en fonction des saisons ou de ta forme euh, C'est relativement constant. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me couche tôt. Euh, disons que vers 20h, il n'y a plus grand monde. <laughs> vers 20... Généralement, vers 20h, 20h30, je me mets au lit avec un bon bouquin et je booking pendant une demi-heure. Ce qui fait que je m'endors généralement à 21h, donc je me réveille entre 5 et 6h le matin. Ce qui fait des grosses nuits, tu vois, 8, 9h de sommeil, mais j'en ai besoin parce que je suis très actif la journée et euh, donc voilà je me réveille tôt, c'est génial se ce réveiller tôt parce qu'il fait encore nuit dehors tu peux sortir dans le froid du, de la nuit il n'y a encore personne j'adore ces moments là où la nature aussi se réveille c'est vraiment génial il y a un ciel qui est magnifique en plus en ce moment -là. et euh, donc voilà ouais, le, le sommeil euh, j'y mets vraiment vraiment de, de l'importance ok, et alors question suivante quel est le pire conseil je que tu as entendu, c'est <laughs> le pire conseil qu'on t'a donné. Oh là là, ça va être dur ça, je sais pas. Euh, il y en a beaucoup des, des conseils terribles. Euh, en fait, des conseils ou des grosses bêtises qu'on entend toute la journée, moi c'est ça qui, qui me fait rire maintenant. Au début, ça m'énervait, parce que tu as envie, tout en, tu sais, de, as envie de, de, de changer le monde, donc tu as envie que tout le monde prenne conscience de, 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 des choses qui concernent la santé, donc euh, dès que quelqu'un dit une bêtise, tu as envie de le secouer comme un, un poirier. Mais euh, maintenant, fi c'est fini. Maintenant, euh, Grâce à Vérisme TV, je sais que je touche beaucoup de gens, donc je me suis calmé de ce côté-là. Mais tu vois, quand, quand je me balade, moi, en short et en t-shirt en hiver, dehors, euh, bon, bah, les gens, euh, tous les jours, presque, il y a quelqu'un qui me dit Oh là là, mais tu vas attraper froid. Tu... Comment tu veux attraper Rien que les mots qui sortent de la bouche de la personne, déjà, ça va rien dire. Attraper froid. Quelle est cette histoire quoi Amenez-moi le premier qui a inventé cette expression. Quoi. Tu peux pas attraper froid. Tu peux, euh, euh, si tu as un système adaptatif qui est au ras des pâquerettes parce que tu n'es vraiment pas en santé, tu vraiment pas adaptable. Peut-être alors que le froid euh, va te faire grelotter. Peut-être. Peut-être que euh, le froid va te... Euh, va induire que, euh, je sais pas, tu vas te mettre en, dans une réponse euh, inflammatoire du corps, et donc ça va te faire des douleurs quelque part. Je, je sais pas où trouver le mal, en fait, à ça. Et les gens, euh, peut-être le plus mauvais conseil que, que j'entends, euh, bah, en ce moment on est en hiver, donc c'est euh, couvrez-vous bien, mettez quelque chose de chaud, euh, ça, ça veut rien dire aussi. Les, les habits, ils sont pas chauds, hein. les habits, ça n'a aucune chaleur. Et, euh, pour pour qu'il y ait de la chaleur, il faut que ce soit vivant. Euh, votre corps, il produit de la chaleur. Ça, c'est clair, parce que c'est un sous-produit de l'activité cellulaire. Donc quand vous vous mettez un habit, ça garde mieux, plus ou moins, la chaleur de votre corps. Mais la veste ou le pull que vous mettez, il n'est pas chaud ou froid. Il a rien. Il est neutre, quoi. la température de la pièce. Donc déjà, ça, ça veut rien dire. Euh, donc euh, renforcez-vous, exposez-vous au froid, et couvrez-vous après avoir froid, pas avant. Voilà, si on devait garder le conseil, c'est les gens qui disent, couvre-toi, il fait froid. Donc, les gens ils commencent à se couvrir dès l'intérieur. Non. Tu sors, tu expérimentes le froid, tu goûtes au froid. Ça, ça, ça demande une réponse adaptative à ton corps, qui va s'adapter, surtout la thyroïde, qui va faire la thermogenèse du corps. Et une fois que t auras, t auras, tu seras sûr d'avoir bien froid, au bout de 5-10 minutes, si tu veux, mets un pull, mets une veste, mais attends d'avoir froid avant de te couvrir. Voilà. Mmh. Et alors. Euh... Bon, du coup, il y a beaucoup de choses, mais je te pose tout de même cette question es-tu -ce que es convaincu de quelque chose que les autres considèrent comme une folie <laughs> euh, Bah, pour citer euh, mon, mon maître à penser, enfin une personne qui m'a énormément influencé, qui est Maurice Dobbart. Euh, dans la douleur, il y a l'enseignement. Et ça, euh, il y a, mm. y a très très peu de gens qui y croient. Et, euh, et, ou sinon qui disent oui oui sans doute mais en fait ils n'ont jamais expérimenté réellement mais c'est vraiment vraiment dans les épreuves qu'on se découvre soi-même euh, je vais vous donner un spoiler sur toute votre vie sur le reste de, de vos années à vivre euh, ça va être dur ça va être très dur la vie elle fait pas de cadeaux. la vie euh, c'est épreuve sur épreuve c'est difficulté sur difficulté euh, donc autant apprendre à se renforcer et à faire que ces difficultés à chaque fois soient des opportunités de grandir et finalement au bout d'un moment à chaque fois que vous allez avoir des, des difficultés ou des, des épreuves entre guillemets qui vont vous arriver sur le coin de la figure vous allez presque être content parce que ça va, ça va être des nouvelles opportunités de, euh, de faire un nouveau cheminement c'est ça qui est important donc euh, voilà, cultiver cultiver l'inconfort c'est aussi faire un cheminement intérieur et se redécouvrir soi-même. Donc, euh, donc voilà, dans, dans la douleur, il y a l'enseignement. Mmh. J'aime ai, bien aussi la phrase euh, qui dit que la, la douleur est inévitable, mais la souffrance mmh. est optionnelle. Ouais. Et je, je pense que souvent, souvent on, on peut un peu rapidement euh, confondre ouais. les deux et du coup euh, chercher à éviter la douleur ou dire euh, voilà, la douleur, c'est pas possible et tout, mais. Enfin pour moi en tout cas la souffrance c'est ce qu'on fait de la douleur et la, la souffrance on peut avoir avoir mal encore que c'est difficile à mesurer mais on peut avoir mal et en tirer en tirer un enseignement voire en faire quelque chose de, de positif. Alors trois mots idées concepts ou valeurs qui animent ta vie. Euh, ok il y en a beaucoup mais euh, déjà discipline et exemplarité ça c'est mmh. ces deux mots là euh, ils sont gravés en moi j'essaie de me les rappeler au quotidien ils sont écrits en gros chez moi là euh, et euh, bon j'en ai assez parlé la discipline et l'exemplarité mais l'exemplarité c'est très important c'est être exemplaire par rapport aux, aux valeurs qui nous semblent justes j'ai des valeurs je pense que voilà, il faut être bon avec son prochain etc mais est-ce qu'au quotidien je les exprime ces valeurs Ça c'est l'exemplarité. Est-ce que j'agis est Est-ce qu'on pourrait me prendre comme exemple pour exprimer ces valeurs C'est ça que ça veut dire, exemplarité. Donc euh, voilà, discipline, exemplarité très important. Et euh, une phrase qui, que j'aime énormément et, et qui, qui résume toute ma philosophie, c'est que le processus est la récompense. Le processus est EST, la récompense ne jamais chercher euh, la récompense dans le but à atteindre, euh, dans la projection, dans, dans l'objectif. Ça, c'est le meilleur moyen de finir perfectionniste et de, 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 de jamais tolérer l'échec, euh, voilà, et de jamais avancer. Alors que si tu es focalisé sur l'instant présent, sur juste faire les choses bien, ici et maintenant, sur le processus en cours, là, tu vas connaître la vraie plénitude. Euh, c'est ce que nous dit Eckhart Tolle dans, son, dans, dans ses bouquins, quand il parle d'instant présent, mais... Euh, pour moi, il n'y a que ça. Le zazen aussi, hein, c'est euh, ne faites que respirer, respirer, mais ne faites que respirer. Ou si vous balayez chez vous, ne faites que balayer. Euh, ce genre de choses, ça m'inspire beaucoup. Donc euh, voilà, le processus et la récompense. Oui, je me rappelle une fois, tu avais co-essayé le livre l'apprentissage de l'imperfection. Ouais, génial, génial, c'est Et euh, tu justement parlais par rapport aux perfectionnistes. Ouais. Et qu'il y a une sorte de, de de pression aussi dans la vie de tous les jours mmh. d'être perfectionniste alors que c'est pas du tout c'est pas du tout naturel et c'est même pas possible ouais. en fait ouais. c'est même pas possible d'atteindre la ouais. perfection alors est-ce que tu aurais un livre à conseiller voire peut-être là tu as parlé plusieurs fois que tu que tu allais sortir un livre mmh. cette année oui alors euh... Euh, alors pour commencer avec ça le je suis en... ça fait trois ans que j'écris un... un roman d'aventure qui va se passer dans le corps humain en fait. Le but de Verisme TV à la mmh. base c'était de toucher les enfants, de toucher les jeunes, les ados et, euh, et que tu vois avec de l'humour, euh, avec euh, de la légèreté, de la vulgarisation, on... on apprenne la physiologie. Et je me dis si on touche les enfants maintenant, on change le monde tout de suite, euh, même pas dans deux générations, euh, dans une génération, c'est-à-dire qu'un enfant euh, qui euh, qui a une idée en tête et qui comprend la santé, il va, il va faire une tannée, il va faire une vie à ses parents pour tout changer. Et d'un coup, euh, il va dire Maman, papa, euh, je ne veux plus manger ça, je ne veux plus manger ça, parce que c'est mauvais, je veux faire ça. Et, et les parents, ils vont s'adapter tout de suite. Donc on change le monde immédiatement si on change les enfants. C'est une discussion que j'ai eue avec euh, Gunther Paoli, euh, qui est euh, un très, 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 très grand monsieur que j'ai eu la chance d'interviewer sur Vérisme TV. L'interview sera bientôt en ligne, qui est un, un monsieur qui change le monde dans. Dans le monde de l'écologie et du développement durable. Euh, donc, c'était toucher les enfants, et j'ai toujours, euh, je suis toujours estomaqué, et dans le bon sens du terme, hein, de voir l'engouement qu'ont eu Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, euh, et des sagas comme ça qui soulèvent les foules et les masses d'enfants, de, d'adolescents, d'adultes, tout le monde qui se rassemble autour d'épopées comme ça fantastiques, tu vois. C'est l'aventure, c'est il y a plein de valeurs, il y a camaraderie, euh... et puis c'est prenant, tu vois, c'est bien fait, etc. On s'amuse et je me disais s'il existait un récit d'aventure aussi captivant que ça, avec des aventures et des péripéties aussi géniales, mais et qu'en même temps on apprenait le corps humain, en apprenant les physiologies, mais ben là ce serait génial quoi. Toute la planète entière, comme Harry Potter et etc. Lirait un, un bouquin comme ça, mais ce serait pff, magnifique. Donc ça fait trois ans que j'écris ce bouquin. Donc euh, <laughs> ça fait trois ans que je suis dessus. Euh, je le remanie, je le reprends, je change des trucs, etc. Ça va être trois tomes. Et le premier tome sortira en 2019, donc là, cette année. Euh, je veux qu'il y ait des illustrations, donc je suis en train de faire le tour des illustrateurs aussi. Euh, je suis en, déjà avec deux maisons d'édition qui sont intéressées pour le publier. Euh, donc ça va le faire. Ça va le faire, je suis très content de ça, donc je suis dessus et euh, j'espère que ça va, plaire, euh, ça va plaire, au plus grand nombre. Euh, et après, conseil de lecture. Alors là, pff, je pourrais en donner des milliards, mais euh, puisque le thème de la journée c'est euh, courir à jeun, ultra trail, se dépasser, loi de l'hormèse, tout ça. Euh, par contre, c'est en anglais. C'est le livre de David Goggins. Goggins, ça s'écrit G-O-2-G. INS, David comme David, David Goggins. Vous lisez son livre, vous lisez euh, toute la philosophie sur euh, le, la loi de l'Ormez. Euh, ce type, c'est euh, une, une source d'inspiration pour moi, vraiment, parce qu'il euh, est, il est parti vraiment avec des gros boulets aux pieds, du surpoids, euh, une enfance terrible euh, afro américain donc le racisme, etc., une, une histoire familiale très difficile, etc. Et ça a été euh, le premier Américain à terminer tous les entraînements militaires, c'est-à-dire il a été Marines, il a été SEAL, il a, été, euh, il a fait tous les, les pires entraînements, il a fait tous les pires ultra euh, bad Badwater, il a fait euh, euh, tous euh, tout, euh, tout les pires ultra trails extrêmement difficiles où il faut courir des centaines de kilomètres, sans entraînement, qu'à la force du mental. Euh, c'est quelqu'un qui se place tous les jours, tous les jours, tous les jours dans l'inconfort. C'est-à-dire que mon petit bain euh, à 0 degré tous les matins, lui, il fait 20 fois ça euh, avant, le soleil, avant le lever du soleil. Hein. Il, euh, il déteste, par exemple, hein, il déteste courir. Et un truc il a toujours gonflé, c'est courir. Lui, à la base, il aimait le bodybuilding. Il aimait aller en salle et soulever, des, soulever de la fonte. Et ben, il court tous les jours 15 bornes. Tous les matins, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va courir. Et si tu lui demandes pourquoi, il dit bah, parce que je déteste ça. Et sa phrase d'accroche, sa phrase qui dit c'est je ne fais rien si ce n'est pas chiant euh, et en anglais c'est euh, if it doesn't suck I won't do it donc c'est exactement ça quoi mm. euh, y a, y a, et euh, toute la philosophie de se mettre dans l'inconfort pour faire un cheminement intérieur la narration interne tout ce que je vous ai raconté juste avant lui il, il explique il explique parfaitement dans son livre c'est c'est génial par contre c'est en anglais alors, si vous n'avez pas trop à le lire, il euh, y a tous ces podcasts euh, su, euh, sur YouTube euh, où vous aurez la, déjà le sous-titrage en anglais. Euh, et déjà, ça, ça aide quand on n'a pas un niveau d'anglais euh, adéquat. Donc, euh, donc voilà, David Goggins, euh, grosse source d'inspiration. Euh, ça peut être bien. Il y a des livres aussi de Maurice Daubert euh, qui sont vraiment intéressants pour le dépassement de soi. On a aussi euh, Mike Horn. Euh, très intéressant aussi, très captivant ça donne envie, après ça, ça, ça fait reconsidérer nos, nos petites épreuves du quotidien, parce que lui euh, <laughs> voilà, quand il est tout seul euh, tout seul, rien que déjà tout seul tu, tu, tu dis à quelqu'un tu vas passer deux semaines tout seul, déjà il balise, alors lui il part tout seul, des mois entiers euh, six mois, un an euh, sur la banquise euh, par moins de 40 euh, pff, quand est, ça sa ça tante elle crame et qu'il perd ses doigts, il en faut du courage pour revenir à la charge et retourner, et puis repartir au charbon. Enfin, voilà, ça donne ça, remet en perspective les choses. Voilà. Hmm. Et euh, quelle est la question que tu aurais aimé? Je te pose, que je ne pas <laughs> poser, et du coup, forcément, ta réponse. <laughs> oh, bah, je sais pas, qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui t'amuse? Là, je t'aurais dit Kaamelott. Voilà. <laughs> c'est important aussi c'est ce pour ce ça, soit ça que c'est important c'est pour ça dernièrement quand t'as interviewé c'était euh, Fabien euh, Fabien euh, le, le oui Fabien euh, le Moine tu avais euh, un t-shirt ouais. <laughs> avec une phrase euh, ben oui parce que c'est important aussi euh, de de trouver de la légèreté dans son quotidien quoi moi je parle beaucoup de, de choses de développement personnel etc mais s'il y a bien un truc, c'est que j'adore l'humour. Je, je, je fais plein de blagues, je suis... et ça c'est très très important. Il faut toujours, c'est pour ça que j'essaie de mettre de l'humour sur Verisme TV aussi. Et alors Camelot, mais c'est un truc, ça me prend, ça me prend au trip et, et je peux le re-regarder -re sans arrêt, sans jamais me lasser. Et chaque chaque personnage est tellement bien travaillé, tellement le, le bon dialogue, la bonne réplique au bon moment, c'est juste c'est juste jouissif. C'est très intelligent aussi. Il y a beaucoup de messages cachés, beaucoup de secondes lectures à avoir. Voilà, j'adore, j'adore. Une petite hymne à Alexandre Astier, alors qu'il commence le tournage bientôt ouais. de, de la trilogie, enfin, ouais. pour ça le cinéma. Comme là, le... c'est super. <laughs> alors, euh, bah pour finir, euh, où peut-on te suivre avoir des nouvelles de toi Alors, il y a Veris TV, ouais. TV sur YouTube. Il y a TV sur YouTube. Euh, vous pouvez me trouver sur Facebook aussi, c'est Pierre Verisme sur Facebook. Euh, sur Instagram, j'essaie d'être actif aussi, de poster des, 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 des photos sympas et qui changent un peu de Verisme TV. Donc parfois, je suis souvent en train de faire de l'entraînement euh, quand je pose des choses. Et, euh, et puis il y a hormes.com qui est euh, pour les gens qui veulent passer à, à la pratique. C'est-à-dire que sur Verisme TV, je mets, je mets ma casquette d'enseignant. Ça va être des cours de physio, ça va être. Euh, voilà. Mais je ne donne pas de conseils. Sur hormes.com, les programmes d'accompagnement vidéo que je fais, euh, là, je remets ma casquette de naturopathe et je vous donne des conseils. Voilà. C'est ce qui a de différence entre vérisme et hormes.com parce que c'est souvent des questions qui reviennent dans les commentaires sur YouTube. C'est euh, Alors, quels conseils tu as Mais Verisme TV, je ne l'ai pas fait pour donner des conseils. Vérisme TV, je l'ai fait pour la physiologie et pour l'enseignement. Pour les conseils. Il faut soit me prendre en coaching personnel, soit aller sur ormes.com et, euh, et suivre une, une formation vidéo. Voilà. Et du coup, ormes.com au niveau du public, c'est ouvert à tout le monde ou est-ce qu'il faut forcément être jeune, sportif, sportif beau, et riche euh, Non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Justement, je voulais que ce soit ouvert à tout le monde parce que euh, j'ai toujours reçu en cabinet tout, tout profil. Vraiment, j'ai commencé avec les sportifs parce que c'était ma passion et parce que j'avais des, euh, des très bonnes connexions dans le monde du sport, mais euh, 70% de ma, des, des, des gens qui venaient me voir et qui viennent me voir, c'est euh, la maman euh, du coin, de trois enfants, euh, ou ça peut être une adolescente, ça peut être un adolescent, ça peut... voilà, je voulais que ça puisse s'adresser à tout le monde, donc euh, là, les deux modules qui sont disponibles sur armes.com, c'est euh, euh, les exercices physiques, donc c'est que poids du corps, il n'y a pas besoin d'instruments ou quoi que ce soit. Euh, donc, pour quelqu'un qui veut se, euh, soit se renforcer dans sa pratique, soit découvrir l'exercice physique, pour tout niveau, ou soit pousser plus loin et c'est déjà un compétiteur, il n'y a pas de souci, il trouvera son compte. Et l'autre module, c'est les techniques de respiration. Et tout le monde peut respirer et tout le monde va avoir énormément de bénéfices à connaître des techniques de respiration très très puissantes que sont euh, la méthode vim -Off, la méthode bouteille et les techniques de yoga tout bon. Ok bon Eh bien merci beaucoup de, de m'avoir consacré là, tout ce temps pour courir un trail point. Un qui te remercie. Merci d'être resté là jusqu'à la fin. C'est un podcast un tout petit peu plus long peut-être que ce dont on a l'habitude de se trouver un trail.fr, mais vous voyez que ça valait vraiment le coup. Alors je voudrais juste revenir un petit peu sur cette nouvelle de courir à Jeun 100 km. La date n'a pas encore été fixée, mais je la communiquerai dès que j'en saurai plus. On va être un petit groupe de trailers à faire cette expérience bien particulière de faire au moins 100 km à Jeun sans manger pendant toute la durée et même sans manger juste avant. Voilà, dès que j'ai des infos, je vous les donne. D'ailleurs, j'ai plein d'autres infos à, à, à donner aussi sur plein de projets assez fantastiques euh, dont certains d'ailleurs sont liés avec Florian Blumet, l'aventurier dont vous avez eu euh, pas mal de nouvelles ces derniers temps. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les aventuriers et on play